je pense que cette histoire est importante parce que si tu ne règles pas les petits problèmes, par exemple une maladie, ça peut devenir plus grand et plus dangereux. Pour cette raison, tu dois toujours régler tes problèmes si quand même ils sont petits. Je comprends ton histoire. Il faut être attentif dans ta vie. Parce que tu ne sais pas à quel moment peut arriver un problème et changer toute ta vie. Et n'attends pas que les autres s'occupent de tes problèmes. Règle-les toi-même et prends le contrôle de ta vie. À mon opinion, cette conte est la meilleure. Parce que cette histoire nous apprend que si tu n'apprends pas de régler des petits problèmes, après quand dans ta vie, un grand problème arrivera. Tu ne sais pas comment régler. Parce qu'enfin, les petits problèmes donnent plus d'expérience de régler tes grands problèmes.